niveau provincial, nous avons choisi le thème de l'intervention des kinésithérapeutes dans les affections des AVC, puisque actuellement les AVC sont très courants ici dans notre province. Et il y a beaucoup de problèmes qui provoquent ça, et vous trouverez que dans chaque structure médicale, il y a un grand nombre élevé de personnes qui sont victimes de ces accidents. Normalement, dès que ça se présente chez la personne, la première des choses, c'est d'orienter la personne à la structure médicale. Raison pour laquelle la kinésithérapie est très importante, puisque c'est l'unique solution pour le cas des AVC. Normalement, dans une structure médicale, le kinésithérapeute, c'est la plaque tournante. Malheureusement, ici chez nous, la kiné n'est pas connue. Et nous constatons qu'on donne moins d'importance à la kinésithérapie alors que la kiné intervient dans tous les domaines dans une structure médicale, que ce soit en maternité, en chirurgie, en pédiatrie. International choisi porte sur les arthrites. Au niveau provincial, nous allons parler sur la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde est une des pathologies rhumatismales chroniques la plus répandue au monde, qui intéresse trois ou plusieurs articulations. Il y a plusieurs étiologies, où on peut avoir des étiologies infectieuses, immunologiques, environnementale et autre chose. Et la plus grande particularité, c'est que c'est une pathologie très invalidante et qui a trait sur l'espérance de vie et les conditions de vie de beaucoup de malades dans nos contrées.